Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vais parler aujourd'hui d'une montre que j'ai déjà présentée dans ma collection euh, de montres, mais je n'ai jamais présentée en détail. Euh, il s'agit de ma montre Hermès Arceau. Alors là voici, vous l'avez certainement déjà vu si vous avez vu mes autres mes autres vidéos. Là je vais en parler un peu plus en détail. C'est une montre assez méconnue, hein, qu'on qu ne voit pas souvent, mais j'ai souvent bon bons échos dessus des, des, dans les commentaires de la vidéo. Pas mal de gens la trouvent la trouve très sympa. Alors c'est plus une montre que je porte beaucoup. Euh, que j'ai beaucoup porté quand je l'ai euh, acquise bah, il y a quand même quelques années mais qui est qui est maintenant dans ma boîte plus pour la collection qu'autre chose puisque c'est plus trop le le style de montre que que je porte aujourd'hui et puis le style vestimentaire euh, qui euh, qui convient donc euh, donc euh, c'est euh, elle a une valeur sentimentale c'est euh, ma première très belle montre je dirais et voilà, je vais vous en parler un petit peu plus parce que bon, Hermès est extrêmement connu, mais surtout pour sa maroquinerie, moins pour l'horlogerie, et pour autant, en fait, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils faisaient, et puis dans ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'ils ont beaucoup investi dans, dans le domaine. Dans le domaine dernièrement, mais en sachant que c'est pas, enfin euh, ça fait quand même très très longtemps qu'ils qu font des montres. Euh, je crois que c'est euh, voilà, dès les années 30, euh, 1930, ils ont commencé à faire des collaborations avec euh, des grandes marques horlogères comme euh, comme Jaeger ou, euh, ou Vacheron Constantin, sur lesquelles ils faisaient des produits euh, co-brandés où euh, je pense que Hermès faisait surtout le, la partie euh, bracelet cuir, euh, mais, mais euh, voilà, ils, ils se sont intéressés. Euh, au domaine il y a quand même longtemps et puis euh, voilà certains modèles euh, on va dire phares euh, sont quand même euh, assez anciens celui-ci euh, a été conçu je crois aux alentours des années euh, des années 70 c'est le cas également d'autres modèles euh, que je ouais, je vais accréter dans la vidéo je vais essayer de faire un peu plus de montage maintenant comme euh, la la Capcode ou leur H qui sont euh, voilà parmi les les grands classiques de de, de de Hermès et qui ont déjà plus de plus de 50 ans environ euh, d'existence et euh, voilà dernièrement il y a également également eu le modèle Slim qui est, qui est très sympa, qui, qui a été, je pense, lancé il y a au moins 6-7 ans, et qui vient compléter un peu la panoplie des montres pour hommes disponibles, disponibles chez, chez Hermès. Alors le, le modèle que j'ai s'appelle Arso TGM. TGM ça veut dire très grand modèle. Parce qu'en fait cette montre est déclinée bon, à la fois pour femmes et pour hommes, et puis dans tout un tas de tailles différentes. Je pense que ça commence aux alentours des, des 26 ou 28 mm, donc très très féminin, très très petit, puis ça va jusqu'à 43 mm pour les modèles les plus... Les plus imposants, qui sont généralement ceux qui vont avoir les complications, euh, euh, on va dire, les plus exotiques ou poétiques, puisque c'est un peu la signature aussi d'Hermès aujourd'hui, c'est d'aller faire des complications qu'on ne voit pas ailleurs, euh, qu'ont pas énormément de sens, on va dire, d'un point de vue horloger, mais euh, euh, sur lesquels, euh, voilà, il y a une, un certain niveau de poésie, ou en tout cas, on peut faire du storytelling assez euh, assez intéressant. Donc le modèle que j'ai, c'est le TGM qui fait 40 mm de diamètre, ce qui est... Gros, on va dire pour une montre qui est, qui est relativement simple. Hein. C'est deux aiguilles, une date, un cadran, un cadran blanc. Donc, euh, on va dire qu'il est pas un cadran qui est pas très chargé. Donc, forcément, 40 mm euh, sur quelque chose d'assez euh, léger, ça paraît grand. Par contre, elle a cette spécificité d'avoir des cornes, euh, des cornes asymétriques. Euh, alors, je zoomer un peu. Hein. Euh, on le voit, on le voit très bien ici. Euh, les cornes du dessus euh, ne sont pas les mêmes que les cornes du dessous. Euh, c'est un peu la signature de, de cette montre et euh, c'est l'héritage en de, de Hermès ici parce que l'objectif c'est de représenter l'étrier, euh, triers voilà qui euh, qui donne l'impression de, de, de porter la, la, la montre par, euh, euh, par les cornes par les cornes du way. donc voilà ça lui donne vraiment ce look unique il hein, n'y a aucune autre montre qui euh, qui ressemble et, euh, et c'est vraiment cette marque de fabrique que je trouve que je trouve très sympa. Derrière donc pour terminer un peu sur les spécifications donc, euh, comme vous voyez elle est très simple on a une date qui pour moi est la complication qui m'intéresse le moins vu que je change beaucoup de montres et que je mets jamais la date euh, euh, on va dire euh, au bon jour donc voilà pour ceux qui ne portent qu'une montre ça peut être intéressant pour les autres c'est moins utile il euh, y a le, les, les aiguilles qui sont bleues qui sont superbes euh, et d'ailleurs euh, qui rendent la, la, la montre est extrêmement euh, lisible. Euh, forcément, un hein, fond blanc, des aiguilles un peu un peu sombres. Euh, c'est euh, voilà. Comparé à d'autres montres que j'ai, en un coup d'œil, on sait tout de suite quelle heure il est. Le, 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 une autre marque de fabrique de cette montre, en tout cas une petite spécificité, c'est euh, voilà, comme vous voyez, les, les chiffres sont penchés et euh, vont un peu dans le sens des aiguilles, montrer vraiment le, 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 le sens du temps, ce qui est ce qui est aussi euh, pas, pas extrêmement, extrêmement courant. Euh, le fond euh, est plein ici. Euh, voilà, marqué un peu avec le, le logo Hermès et voilà cet héritage euh, équestre euh, renforcé ici. Et euh, le mouvement à l'intérieur, euh, c'est alors, ça fait partie des dernières euh, séries qui euh, étaient, euh, on va dire, montées avec euh, un mouvement ETA donc de la manufacture, enfin, de, du groupe Swatch. Euh, et euh, depuis, en fait, Hermès a acquis euh, une manufacture et fait euh, quelque part ses propres mouvements. Euh, et, euh, et donc la montre que, que je vous présente ici n'est plus en vente euh, aujourd'hui. Si on se, si on va en boutique Hermès et qu'on veut ce modèle-là, euh, bon, déjà visuellement, elle a légèrement changé. Je viendrai un peu plus en détail sur les changements dans, dans la suite de la vidéo. Mais euh, mais également le, mode, le, le, le le mécanisme est aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme manufacture puisqu'il a été conçu par une manufacture qui appartient à Hermès et qui, qui ne fait que des montres Hermès si je ne dis pas de bêtises et, et d'ailleurs le, le fond n'est pas plein sur ces nouveaux modèles parce que voilà le, le, le mouvement est un peu travaillé, on a quelques décorations sur la masse oscillante avec notamment cet imprimé H qui est, qui est assez sympa. Pour terminer sur, sur les spécifications, on a une boucle déployante, ce qui est ce que j'aime beaucoup, très facile à utiliser au quotidien, et puis surtout bah, du cuir Hermès pour le bracelet, ça c'est. Ça c'est quand même, euh, c'est quand même canon. Euh, donc ça c'est un cuir euh, Vaubanéniar, le, on va dire le classique de chez classique de, de chez Hermès ce qu'ils savent faire euh, très bien, des finitions euh, superbes, euh, extrêmement souples, extrêmement confortable, assez euh, assez fin d'ailleurs pour la pour la taille et, et l'épaisseur de la montre. Vous pouvez voir elle est, elle est quand même assez assez épaisse et on a on a pas mal de relief hein, dans dans cette dans cette montre malgré le, le cadran quelque part tout plat. Euh, et, euh, et donc voilà, le, le bracelet se patine beaucoup. Quand euh, je l'ai acheté, il était beaucoup plus clair. Là, il s'est foncé avec le temps. Et puis voilà, sur certains aspects, euh, voilà, tire un peu vers le noir. Mais ce qui est très sympa, ça fait. Enfin, euh, la, la montre vit. Enfin, le bracelet vit. De toute façon, le cuir vit. Euh, et, et Hermès, euh, on va dire, est plutôt reconnu pour pour son travail sur le cuir. Et donc ça, ça complète bien la montre. Ça fait vraiment une, une, très, jo, une très jolie montre. Donc voilà pour, pour la, la, présentation de ce modèle-ci. Peut-être rapidement comparer. Alors je vais incruster une, une photo de la, de, du nouveau modèle parce que si on veut aujourd'hui acheter, euh, cet cette Hermès Arceau, ben en fait, elle a été pas mal mise à jour. Ce qui change, ça va être, bon, l'aiguille maintenant n'est malheureusement plus bleue mais, mais, euh, argent sur, euh, sur le fond qui lui-même est argenté un peu au palin. Euh, on voit qu'il y a également quelques compliqué enfin quelques un, un travail un peu plus de sophistication sur sur le cadran qui est, qui est très très joli. Euh, J'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment bien bien réalisé quelque part complété euh, la monte en, 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 lui, en lui ajoutant des, des détails euh, des détails assez assez sympas. Et euh, euh, dernier euh, changement bon, au delà du du, du mouvement, euh, les, les chiffres sont également euh, on va dire embossé Enfin, je ne sais pas si c'est des ind ind indices appliqués ou si c'est euh, peint sur le sur le fond, mais en, en tout cas, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'on voit que le contour des chiffres, ce qui euh, euh, voilà, ce qui rend bien, je trouve, sur sur la montre et adoucit un peu le euh, le, le tout. Euh, et dernière euh, dernier changement également, le, la boucle n'est plus une boucle déployante, mais ardillon sur les sur les nouveaux modèles celle ci je l'avais enfin euh, lorsque je l'ai acquise, elle, elle était aux alentours de 3200 euros, si je dis pas de bêtises euh, le nouveau modèle forcément euh, bon déjà c'était il y a quelques années donc tout a monté et puis euh, aussi avec le, les changements et le et le et le, le changement également de de, de calibre euh, on est maintenant aux alentours des 4400 euros, si je dis si je ne dis pas de bêtises je crois que c'était 4375 pour le, le premier modèle qui, est, euh, qui va être relativement similaire, ça va être la même proportion, même, euh, voilà, même, même look, mais il va y avoir des, des petits changements comme je vous l'ai dit sur, sur la montre. Le, je crois que le cuir barilien n'est plus disponible sur, sur cette montre, ce qui est dommage parce que ça lui va, ça lui va vraiment extrêmement bien. Mais il y a d'autres couleurs, il y a, il y a du bleu, il y a du noir, il y a du, euh, il y a du crocodile, etc. Euh, et si on veut acheter, enfin si cette montre-là, si c'est celle qui vous intéresse vraiment dans cette configuration, il euh, faudrait plutôt se tourner vers du quartz. Euh, qui, euh, qui existe dans la collection de, de, de Hermès qui est pour le coup un petit peu moins cher euh, aux alentours des 2500 euros mais qui va être le modèle le plus ressemblant euh, de celui-ci bon, à la différence que ce sera un mécanisme, un mécanisme quartz ce qui n'est pas je pense extrêmement dérangeant euh, sur cette montre dans le sens où il y a que deux aiguilles donc ça ne se verra, verra pas on, va dire, on ne verra pas la trotteuse qui, qui fera débuter à toutes les secondes donc si c'est vraiment le, le style de cette montre qui vous intéresse je pense que l'option quartz peut être pas mal et puis sinon se tourner vers la seconde main, alors elle est assez rare, hein, on la voit. Je pense qu'elle n'a pas été énormément vendue, ce qui veut dire qu'elle n'est pas non plus très facile à trouver sur le marché de l'occasion. Je pense que voilà ça, ça doit coûter aux alentours de, des 2000 euros sur, sur, sur Internet, peut-être un petit peu plus en boutique si, si vous arrivez à la trouver dans des spécialistes du, de, de la seconde main. Mais voilà, c'est vraiment une, une, une jolie montre. Je voulais également terminer en comparant en fait, avec un, une autre déclinaison de la montre qui est à peu près le même âge, mais qui ressemble plus euh, aux, modèles, aux modèles actuels euh, qu'un qu ami m'a prêté, euh, qui est euh, le, la version chronographe en fait, de cette montre. Alors je vais les mettre au même plan histoire de voir pour pouvoir comparer la taille. Donc comme vous pouvez voir, elle est plus grande. Euh, je sais pas exactement de combien mais je dirais bien qu'il y a au moins 2 mm d'écart entre, entre les deux donc on va être aux alentours des 42 sur, sur celle ci voire peut-être même 43 euh, et, euh, et voilà elle est elle est quand même très différente hein, sur plein d'aspects euh, bon déjà c'est un, un chrono bien entendu mais, euh, mais même le cadran euh, n'est pas blanc euh, vraiment un blanc euh, on va dire éclatant sur la, la Hermes Arso TGM. Ici, on est plutôt sur quelque chose d'argenté, plus proche d'ailleurs de, de, de des nouveaux modèles de, de la TGM avec un, un petit peu de guillochage sur le sur le sur le fond également. Les aiguilles sont, enfin l'aiguille des secondes est en bleu, ce qui est ce qui est très joli. Enfin, elle est elle est vraiment sympa. Les, les poussoirs, j'aime un peu moins, mais ça, ça va dans le style de la montre. Euh, mais, mais voilà, elle est, elle est vraiment très très sympa. Alors, je ne sais pas si... Non, elle n'a pas de, de jus. Donc on va faire la remonter un petit peu si on veut la, la faire partir, mais voilà, après c'est un chrono, un chrono assez classique avec la spécificité d'avoir quand même la date. Euh, bon, je ne sais même pas s'il si est possible de la, de la remonter manuellement. Ah si, ça tourne un petit peu. Donc... C'est un mouvement état également, hein, donc euh, c'est pas euh, on va dire une euh, un chrono, euh, je pense particulièrement euh, raffiné euh, en termes de, de, de spécifications horlogères. Euh, D'ailleurs, elle est toujours en vente, alors plus dans cette couleur-là, plutôt dans une couleur sombre, mais euh, mais toujours avec cet ancien mécanisme, et ce qui fait que le modèle chrono aujourd'hui euh, est vendu au même prix que le modèle non chrono. Euh, parce que voilà, le mécanisme n'est pas le, le même et, et coûte plus cher à produire sur, sur le mécanisme de, de manufacture. Euh, mais, euh, mais voilà, elle est sympa. La, la différence aussi, ça va être bon, le, en termes de, de taille. Euh, forcément, le fait qu'il y ait qu un mécanisme, euh, un chronographe à l'intérieur, bah, ça nécessite un peu plus de, de, de place. Et donc, bon, c'est un, un beau. Euh, c'est un beau morceau, on va dire, hein, au, au poignet. D'ailleurs, je vais, je vais comparer, euh, je vais comparer les deux. Et l'autre différence, ça va être sur le, le cuir du bracelet. Comme je l'ai montré plus grosse, je pense qu'ils pouvaient pas mettre un bracelet trop fin. Donc, ils sont partis sur une déclinaison un peu plus euh, bombée, un peu plus euh, consistante en termes de... En terme de... Hop là, en mode... oui. On voit bien ici, un peu plus consistante en termes de, de, de taille et de présence de présence au poignet, mais du coup, ça se marie bien avec, euh, voilà, cette montre qui est, qui est de toute façon plus, plus épaisse et plus, qui a plus de présence au poignet. Alors, comme je le dis toujours, j'ai un petit poignet, euh, et donc, malgré le petit poignet, les grosses montres de ce type, ça marche parce que les cornes sont très rapprochées. Du, euh, du boîtier euh, et donc même si c'est pas spécialement je pense le genre de proportion que j'aime moi ça me choque pas non plus je pense d'avoir une montre comme ça avec un poignet euh, plutôt plutôt de petite taille comme euh, comme le mien euh, mais voilà elle est elle est vraiment très sympa très très jolie euh, le, le, enfin, très raffinée aussi hein, avec euh, pas mal de, de détails sur euh, sur le, le cadran et là on voit d'ailleurs que les que les indices sont sont appliqués donc reflète reflète aussi la lumière ce qui est ce qui est très joli et je vais maintenant enfiler celle-ci euh, au poignet pour comparer si j'arrive à l'ouvrir voilà et voilà donc voilà 40 mm ce qui doit être parmi les plus grandes montres que j'ai avec peut-être ma Speedmaster et pour autant, voilà, ça fait pas non plus particulièrement gros. Alors c'est une présence, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, ça, elle, fait, je pense qu'elle elle paraît plus grosse dans la boîte que, que, que au poignet. Euh, et euh, et euh, voilà, elle se, elle se porte très facilement. Euh, voilà, on voit très bien que les cornes ne dépassent pas du tout la, la largeur de mon poignet. Donc c'est en termes de proportion quelque chose de, de, très facile, de très facile à porter. Elle est plus épaisse, hein, forcément, que mes autres montres type petit peu nomos, pardon, mais, mais ça reste relativement correct. Et notamment, je la portais beaucoup avec des chemises par-dessus. Et j'ai jamais eu trop de, de problèmes pour, pour la glisser sous, sous mes manches de chemise. Je vais peut-être le montrer d'ailleurs ici, mais voilà, c'est... Voilà pour, pour le coup c'est une épisode assez courte donc ça la démonstration ne marche pas mais voilà c'est une jolie montre je, comme je dis je la porte plus beaucoup c'est plus trop mon mon style mais elle me plaît elle me plaît encore euh, elle me plaît encore pas mal et je crois qu'elle peut aussi euh à beaucoup de, de curieux et de, de personnes qui me, qui me suivent sur cette chaîne. Donc voilà, c'est tout pour, pour cette vidéo. Ce que j'essaierai de faire à la suite, c'est continuer à demander à des amis de me prêter leurs montres pour voilà aller un peu plus loin que ma propre collection parce que forcément, je tourne vite en rond avec les, les quelques montres quelques montres que j'ai. Et donc voilà, si vous êtes intéressés, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur sur la vidéo et à liker également, ça ça m'aide bien et puis ça me motive pour pour continuer à faire d'autres vidéos. Merci.